Wolfgang était grisé par la nouvelle aventure qui l'attendait. Paris était alors la deuxième ville d'Europe après Londres et une vraie capitale musicale. Ses espérances et ses attentes étaient à la hauteur de ce lieu unique qui rayonnait par ses théâtres d'opéra, sa saison de concerts dans une salle des Tuileries et la présence d'une aristocratie et d'une grande bourgeoisie dynamique, toujours avide de commander des œuvres aux artistes. De plus, la petite archiduchesse d'Autriche, Antoinette, devant qui il avait joué à Vienne quand il avait 6 ans, était devenue reine de France. Tout le monde savait, en Allemagne ou en Autriche, qu'elle était passionnée de musique, qu'elle pratiquait avec bonheur la harpe, le pianoforte et le chant, et protégeait à Paris des compositeurs aussi prestigieux que son compatriote Gluck ou l'Italien Piccinni. Hélas, rien ne se passa comme il l'avait espéré. Lui qui pensait être libre d'agir comme il l'entendait, puisque son père n'était pas là pour décider de ses moindres faits et gestes, il se rendait compte que le souci d'organisation et l'entregent de ce père lui faisaient défaut pour faciliter des rencontres ou obtenir des contrats. Seul pour la première fois, il n'avait pas pu se procurer les bonnes recommandations auprès des personnes les plus en vue. Ne maîtrisant pas bien la langue française, il ne comprenait pas les codes très particuliers de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie parisienne. Il n'avait même pas su approcher les bonnes personnes, notamment celle qui lui aurait permis d'avoir un entretien avec la reine Marie-Antoinette et d'obtenir ses faveurs. Il enrageait de constater que sans son père, il ne savait pas se défendre. Oh, certes, il avait eu quelques commandes. La symphonie qu'il avait surnommée « parisienne » avait connu un succès triomphal à 2 reprises au concert spirituel. Et il n'avait pas manqué de discussions passionnantes avec le ténor Anton Raff, le castrat Tenducci ou le compositeur Piccinni.